Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons ensemble concevoir un certificat de participation à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. C'est parti. Concevoir un certificat de participation dans Adobe Illustrator nécessite la connaissance des éléments qui doivent y figurer. Déjà ici, comme d'habitude, nous allons toujours préparer un fichier technique pour notre travail. Voilà, si j'ouvre ici, on va voir que nous devons mentionner sur notre certificat de participation, le mention légale pour l'entreprise et ainsi que celui qui à qui le certificat est décerné. Et également les éléments d'authentification de notre certificat, donc ce qui pourra montrer que le certificat n'est pas le fake, à savoir les éléments de la charte graphique, aussi des éléments à positionner manuellement du genre cachet et signature. Voilà, nous allons aller directement dans le logiciel Adobe Illustrator. Nous allons travailler ici dans un document au format A4 tout simplement. On va cliquer tout simplement sur le bouton créer. Et on va paramétrer ici, c'est un document à imprimer. Donc on peut déjà même ici, à partir d'ici, on va voir si nous avons A4, oui. Voilà, nous avons A4. Maintenant, le certificat doit être orienté en paysage. Donc ici, on a le choix entre portrait ou paysage. Je vais choisir directement paysage. Le mot de colorimétrie, on va dire c'est CMJN parce que c'est un document à imprimer, c'est bon. Résolution en pixels par pouce, on a 300, c'est bon. On va cliquer sur créer tout simplement. Voilà, nous allons cliquer sur créer. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de faire une mise en page selon la charte graphique de notre client. Voilà, déjà ici c'est un certificat de participation pour nous-mêmes, donc mais c'est pas quelque chose de qui a vraiment eu lieu. Je vais tout simplement prendre un exemple afin d'expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc nous revenons encore dans notre fichier technique. On a dit que les couleurs, on va prélever les couleurs sur le logo, la police, on a donné brush script MT et le popping de l'autre côté. Voilà, nous allons revenir dans nos fichiers techniques. Nous allons voir ici, on a déjà la police, ce qui veut dire qu'on doit au préalable importer la police dans notre logiciel. On clique, on va déposer notre police là, notre logo. On va maintenant régler le logo légèrement comme ceci. On va le positionner. Après le logo, on va créer notre petit design. Le design que nous allons créer ici est très simple. On va tout simplement faire un truc comme ça parce que je tiens toujours à préciser que vous devez utiliser les éléments graphiques avec parcimonie. Vous ne devez pas trop compliquer. C'est pas ça qui fait le design. Donc, il faut utiliser pas trop d'éléments graphiques, légèrement et suffisamment. Voilà, nous allons tout simplement avec l'outil sélection directe, on va déplacer légèrement comme ceci. Voilà, maintenant on va régler ça comme ça. Non, on va prendre l'outil sélection, on va encore régler comme ceci, on baisse encore comme ça. Voilà, maintenant ce qui reste à nous faire, on va prendre l'outil pipette. On vient prélever la couleur sur de notre logo. Tac. On va maintenant venir cliquer ici dans le nuancier et cliquer là pour ajouter la couleur. On dit OK. Désormais, si on clique dans le nuancier, on aura une nouvelle couleur. Et on va également venir pipeter aussi cette couleur. On va aller dans le nuancier, l'ajouter. Ensuite, on va cliquer sur OK. Voilà. Une fois que nous avons nos différentes couleurs, on va tout simplement sélectionner celle-ci. On va prendre dans le nuancier, on va donner cette couleur, tac, contour, on va dire sans contour. Voilà, on a fait sans contour. Maintenant, nous allons dupliquer ceci. On va faire un clic droit dessus, transformation, miroir, on clique sur aperçu, on voit bien que ça a changé de sens. On clique tout simplement sur copier, on va venir positionner comme ceci. On règle très bien comme ça. On va légèrement le soulever et envoyer vers le sens inverse comme ici. Voilà, ici maintenant on peut aller dans le nuancier, donner cette couleur. Voilà,
On va maintenant venir faire un clic droit ici, disposition, on met au premier plan. Voilà. Maintenant, on va ajouter quelques petits designs là. On va prendre l'outil plume. On va venir cliquer tout simplement comme ceci. Tac. On ajoute comme ça. Tac. Tac. Et tac. Voilà. On va revenir y faire la même chose en bas. Tac. On va positionner comme ça. Tac. 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 Voilà. Et ensuite, on va tout simplement sélectionner, on donne ce design. Bon, on va un peu faire la part des choses ici. On revient encore sélectionner. On va donner la couleur ici, voilà. Pour faire la part des choses, comme je précise ici, on va sélectionner. On se rend dans couleur. On va légèrement blanchir. Tac, voilà. On prend ici directement avec l'outil pipette. On va pipeter la couleur, c'est tout. Maintenant, on va trouver la position du logo. On va positionner notre logo là, c'est tout. Et parlant de légal, nous avons précisé ici le nom de l'entreprise, c'est Secret Graph, tout simplement. Secret Graph. Le nom de l'entreprise, c'est Secret Graph. On va l'agrandir légèrement comme ça. Voilà, on positionne comme ça. On a parlé de la police popping. On vient ici, on va mettre popping. On va mettre popping un peu gras. Comme ça, on va encore régler. Voilà, on positionne comme ceci. On va prendre la couleur qui va avec. Voilà, on positionne comme ceci. Maintenant, il s'agit ici d'un certificat de participation. On va tout simplement double-cliquer. Venir positionner comme ça. On va certificat. Certificat. On va positionner à ce niveau. Cette fois-ci, on a la couleur blanche. Voilà. Certificat. On va aller à la ligne de participation. Bon. On va dupliquer tout simplement. On va baisser la taille légèrement comme ça. On va venir positionner. On va dire de participation. De participation. On va venir. Maintenant là-bas, la police est un peu bold. On va venir faire tout simplement light. Certificat de participation. Un truc comme ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter un autre petit design. On va faire ça un peu tout doux, comme ceci. Tac. On va régler comme ceci. On va faire un clic droit dessus, disposition. On l'envoie à l'arrière-plan. On va donner un contour légèrement gris, comme ça. Donc, un remplissage. Maintenant, le contour. On va donner un contour plus gris. On va augmenter la taille du contour comme ceci. Voilà, on règle encore, on positionne à ce niveau, on règle comme ceci. On va aller chercher notre second élément, on va le positionner comme ça. Ça, c'est l'insigne que vous devez à chaque fois utiliser lorsqu'il faut marquer la réussite. Généralement, moi, je le qualifie d'insigne de lauréat. Voilà. Nous avons positionné. Maintenant, à qui est-ce que le certificat est décerné? On va venir ici, décerner à. Décerner. On va dire décerner à. On le dit, certificat est décerné à. On règle comme ça. Il faut qu'on voit entièrement sur quoi est-ce que nous sommes en train de travailler. Voilà, comme ceci, décerné à. On va régler légèrement. On positionne là. Décerné à. Ici, nous parlons de. Ici, on va encore légèrement régler.
Voilà. On revient ici, décerner à qui la mention légale. Ici, on peut parler du nom du dépositaire. Il s'appelle qui? Pavel Sow. Voilà. On fait CTRL-C, on copie. On revient dans Illustrator, on prend l'outil texte. On fait CTRL-V. On a dit ici la police était quoi? On revient encore. La police, broche script. Voilà, je sélectionne. Je vais commencer à écrire ici broche script. Voilà, c'est ça la police. Je vais sélectionner légèrement. Bon, je l'ai sélectionné. Je vais ajouter cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais positionner un léger trait. Il faut qu'on les aligne encore légèrement au centre, comme ça. Voilà. Décerné à Pavel Sow. Voilà. Maintenant, l'amendement, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ce présent certificat a été décerné? Voici l'amendement pour sa participation à notre formation, notre séance de formation en présentiel à telle partie, à tel endroit. Voilà. Vous pouvez lire, pas besoin de trop lire. On doit raccourcir le tutoriel. On va cliquer tout simplement. On va faire CTRL-V, on va faire CTRL. Et ensuite, on va régler tout simplement comme ceci. Voilà. On règle comme ceci. On sélectionne encore. On va diminuer la taille. Voilà. On va créer le paragraphe. Tap. Tabulation. Voilà. Comme ceci. On va marquer à la fin du paragraphe. On va marquer tout simplement un point. On peut également choisir tout la police popping ici. Mais cette fois-ci, on va choisir la police un peu italique. Popping italique. On va encore diminuer la taille. Voilà. Maintenant, on va apporter un petit design là. On va juste positionner un trait. On va augmenter légèrement la taille du trait. On va lui donner la couleur bleue de notre charte graphique. On va venir le positionner à ce niveau. Voilà. On va maintenant préciser en bas. Bon, on va ajouter un petit argument. En bas, on va dire membre de notre formation. Membre de notre fan club. De notre fan club depuis 2022. Voilà. Maintenant, on va venir à ce niveau. Quand est-ce que le présent certificat a été décerné et le lieu doit là le 24 mai 2024, on copie, on se rend tout simplement dans Illustrator, on va faire coller, on va baisser la taille, voilà, la même chose, ici on va mettre le responsable à la ligne. On va mettre son nom, c'est Jolan Lagumo. On met en précise entre parenthèses formateur. On ferme la parenthèse. Voilà, on va positionner ça encore un peu en bas comme ceci. Voilà, on va ajouter tout simplement un petit trait
le même trait, on va venir le positionner ici. Voilà, on réduit comme ceci, histoire de pouvoir signer et positionner le cachet. On va encore faire remonter les textes. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Et si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de vous abonner. Et si vous désirez nous aider à déployer cette plateforme, ne vous en passez pas également de partager notre contenu dans vos différentes plateformes où vous êtes abonnés. Voilà. Et n'oubliez pas également de vous abonner si vous aimez l'infographie, car ici on partage les tutos pour infographie. À la prochaine dans un tutoriel.